Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Free Love News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous et personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre, chers amis. On est le 10 juillet 2019, 15h42. Une petite journée tranquille. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de catastrophes, de tremblements de terre, de d'éruption volcanique, de tempête. En tout cas, la journée n'est pas finie, mais pour l'instant, c'est une journée calme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une journée calme, mais attendez, c'est pas fini. On va en profiter pour aller faire un saut dans l'Égypte ancienne, hein? parce que c'est intriguant pour tout le monde, c'est intrigué tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas été intrigué par l'Égypte ancienne, les pyramides, les civilisations mmh. égyptiennes. Mais je reviens là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de remises en question de la datation de, par exemple, le Sphinx et les pyramides de Gizeh. On va parler du Sphinx, du sphinx plus euh, précisément, qu'on établit selon les livres d'histoire euh, officiels à 2500 ans à peu près. Mais de plus en plus de gens se sont intéressés à ça. Il y a des passionnés, et ces passionnés-là sont des, des archéologues, sont des géophysiciens, sont des gens de tout horizon, et qui font des recherches plus avancés, qui ont des technologies plus avancées aussi, et qui ont de l'ouverture de l'esprit, et qui, comme je vous le dis, sont tellement passionnés, qui passent leur vie là-dessus, et ça donne des résultats qui nous étonnent, qui remettent en question l'histoire officielle qu'on nous a appris, qu'on nous a mis dans la tête, et qu'on a imprimé dans les livres. Le Sphinx, on pense qu'il pourrait, qu pourrait être beaucoup plus âgé, que ce qu'on nous a inscrit dans les livres. Et tout ça, c'est cette hypothèse de l'érosion hydraulique du Sphinx, hein, qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur et qui se, qui, qui se répand euh, de plus en plus. Et donc, la civilisation égyptienne elle serait beaucoup plus vieille que de plusieurs millénaires seulement. Hein, la théorie de l'érosion hydraulique, ou hydrique, pardon, euh, du Sphinx. Le consensus général parmi les égyptologues est que le Sphinx a été construit entre 2500 euh, ans, disons, et 2494 ans avant Jésus-Christ. Il convient également que la civilisation égyptienne a commencé vers 3100 ans avant Jésus-Christ. Cependant, il y a une poignée d'égyptologues, de géologues et d'historiens qui suggèrent le contraire il croit que les intempéries sur les murs de l'enceinte du Sphinx sont révélateurs de l'érosion hydrique plutôt que de la conviction communément admise qu'elle a été causée par le sable et le vent. Si les intempéries ont été causées par l'érosion hydrique, elles sont si étendues qu'elles ne pourraient être attribuées qu'à des milliers d'années de précipitations. Ce qui est drôle, c'est que le Sphinx est situé aussi, est situé aussi sec qu'il l'était en 2050. Euh, 2500 pardon, avant Jésus-Christ. En fait, la région n'a connu qu'une pluviométrie annuelle moyenne d'un pouce depuis l'Ancien Empire vers 2686 à 2134 avant Jésus-Christ. La dernière période de pluie importante en Égypte s'est terminée entre la fin du 4e et le début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Si l'érosion hydrique avait provoqué l'érosion atmosphérique, le Sphinx aurait dû être construit. Au plus tôt, au cours du sixième ou même cinquième millénaire avant notre ère. Si l'on accepte cette hypothèse de l'érosion hydrique, il faut alors se demander combien de temps le sphinx a-t-il tenu debout avant le début des fortes pluies. C'est là que les universitaires divergent encore plus sur le sujet et certains pensent que l'astronomie peut y répondre. La rotation de la Terre est caractérisée par un vacillement appelé précession axiale et il faut 26 000 ans. Pour déterminer un cycle de ce fait, l'alignement des étoiles dans le ciel nocturne est un processus cyclique. Nous sommes donc en mesure de savoir exactement comment les étoiles se sont alignées à tout moment au cours des trois ou des 30 000 dernières années, à n'importe quel point de la Terre. Fort de ces connaissances, nous savons que la disposition et l'orientation du sphinx était le reflet direct de la constellation du Lion. De 10 500 ans avant Jésus-Christ. En outre, c'est à ce moment-là, entre 10 500 ans avant notre ère, que les pyramides de Gizeh étaient un reflet direct de la constellation d'Orion et que le Nil était un reflet direct de la Voie lactée. Donc, si l'on accepte l'hypothèse de l'érosion hydrique, ils doivent également accepter le fait que la civilisation égyptienne est beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit, au moins de plusieurs milliers d'années, et que dans le cas de la théorie de l'éoconstellation, la de, constatation de, de, du lion, presque 10 000 ans plus tôt. Donc c'est vraiment euh, très, très, très intéressant tout ça. C'est fascinant. Et je peux vous dire une chose, ça nous ramène à vraiment remettre en question, remettre bien, bien, bien en question euh, l'histoire officielle. Donc, ce serait beaucoup plus. Le grand sphinx est-il deux fois plus âgé que ne le pensent les égyptologues et les archéologues sur la base des preuves géologiques? Parce que si on remonte à un régime climatique qui aurait pu nous donner cette érosion-là, il faut remonter à au moins 10 000 ans. C'est vraiment fascinant et ce n'est pas fini. Les gens euh, en remettent et en remettent. Donc, c'est probablement très, très. Euh, c'est définitif que. Euh, on se retrouve avec des faits complètement, complètement... Hey, il y en a qui avancent même euh, jusqu'à 800 000 ans. Le Sphinx pourrait avoir jusqu'à 800 000 ans. Le Sphinx a-t-il a 800 000 ans une bonne leçon sur la manière dont les historiens alternatifs sélectionnent leurs données Donc, il y a beaucoup, beaucoup de théories, mais la plus plausible, ce serait d'au moins 10 000 ans. Et... Euh... C'est vraiment... Très, très bien documenté avec des preuves euh, géologiques à l'appui. Donc, c'est certain que tout va être remis en question hein, au fil des années qui s'en viennent. Tout, tout, tout va être remis en question. Et on peut voir ici hein, ces fameuses marques hydriques. Il a été là combien de temps avant que ces marques-là apparaissent? C'est ça qui est vraiment fascinant. Donc, à combien d'années peut-on dater? Il y a des preuves géologiques qui montrent peut-être que le grand sphinx aurait 800 000 ans. Imaginez-vous. 800 000 ans. Donc, une chose est certaine, il n'y a pas 2500 ans. Vers où on s'en va, je ne sais pas, mais beaucoup de choses vont être ré réécrites parce que l'histoire hein, a plusieurs chemins. Et. Nos historiens euh, de service, hein, nos historiens mainstream, ben, eux autres, qui ont pris le chemin le plus court. Mais franchement, c'était vraiment un travail de paresseux ou de gens qui n'avaient pas les connaissances ou les outils ou l'ouverture d'esprit nécessaire. Enfin, c'est sûr que l'histoire va changer. L'histoire qu'on a écrite, celle qui s'en vient, on ne peut pas la changer, on ne l'a pas vécu encore.